J'ai récupéré mon permis. J'ai récupéré mon droit de conduire. Putain, c'est moche là. C'est quoi ça? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le démon, enfin. Des nouveaux droits de rouler. Oh, attends, il est pas au rendez-vous, oh putain. Bon, je t'explique le programme, on va aller mettre un shifter up dessus. Ça va être indécent. Et du coup, tout à l'heure, si le temps le permet, je ferai une petite balade avec un pote pour tester le shifter. Donc on se retrouve juste après. Mais pour vous, ce sera tout de suite. La magie du montage, tu connais. Bon les gars, ça y est, le shifter, il est mis. Regardez. Bah, j'espère que ça va faire des, ça va cracher des flammes hein, quand je passe les rapports. Ouais, c'est parti. Ah. Le frérot. Ok. Ah oh, putain, la course, elle est longue, j'avais oublié. On va tester ça hein. Oh putain. Ah tu l'as laissé passer. Ah. Oh ça fait des flammes. Oh c'est abusé. Aïe aïe aïe. Magnifique. Oh putain, hey, je peux pas l'exploiter là. Oh il est incroyable le shifter, je sais pas si vous l'entendez là mais... Parce que là pour l'instant je peux pas trop ouvrir. Bonsoir. Pas mal. Ah. Oh la flamme. Oh putain, je suis mort. Ouais. Salut. Allez, contente Nicole. Oh, oh le shifter c'est la vie. Quoi? Ah merde. Ah ils t'ont pas fait signe non? Si? Putain ils sont juste là. Et ils ont arrêté quelqu'un? Ah. Ah ils sont occupés, parfait. Genre à peine de concession, je croise les gendarmes. Sage, sage. Et toi, tu la démarres pas là, tu pousses après. Tu pousses, hein. Putain, tu m'as pas dit qu'il y avait des flics là. Ah, mais tu les as pas vus. Vas-y, signale-les. Hein. Pour les frérots. Putain, je dépense de la thune là. Le plein de la voiture, le plein de la moto, le shifter. Ce soir, ciné. On va manger avant le ciné. Allez, je sors plus de l'année. T'es mon permis. Permis et le shifter Z900 2021 125 chevaux ligne complète Acra mais avec une sortie Yoshimura. Pour l'instant on ne me demandait pas plus de détails, c'est la première main qui a effectué cette configuration. Apparemment cette Z elle a une son... cette Z pas moi mais cette moto là, cette Z900 n'a pas une sonorité comme les autres Z si tu veux, de par cette caractéristique qui est qu'il y a une ligne Acra mais un pot Yoshimura. Putain tu peux le voir, j'ai les mains gelées, change du feu, ça caille tellement. Donc voilà, elle chantonne vraiment vraiment bien. Hein? Tu veux rupteur non? Ouais.
Elle est chaude là. C'est vraiment un bas régime en plus. Ouais, je sais. Là, j'ai une belle ligne droite pour repartir. Je vais essayer de te mettre 2-3 coups de shifter, mais j'en suis pas mécontent. Franchement, ça fait un bien fou de la retrouver après 6 mois, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Pour l'instant, je roule vraiment sagement. Enfin voilà, il y aura encore pas mal de modifs dessus. Pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des protections GB Racing. On a des leviers de frein et d'embrayage Z900 qui font le café. Des rétros hein, AliExpress, ça fait le café. Un petit pot Yoshimura, ça aussi je l'ai changé. Support repose-pied Z900. Les clignots, va falloir les changer aussi. Là, on a un support de plaque court. Là, encore des protections GB Racing. Le shifter ici qui a été installé. Mama, ça, c'était indispensable, je voulais absolument. Là, il va falloir que je mette une selle confort encore. Les liserés de jantes jaunes, vert, je vais les sauter. Le cadran vert, il va pas sauter, mais on va essayer de faire quelque chose pour couvrir ce vert-là. Je vous en dis pas plus, mais il y aura beaucoup de modifs sur cette Z. Donc, si tu veux rien louper, abonne-toi. Le petit like, le petit commentaire, ça m'aide à référencer la vidéo et quelque part, tu soutiens la chaîne et tu me soutiens moi et ça m'aidera grandement. Wow, tu l'as entendu ou pas? Oh, trop bien! Incroyable! Oh là 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 là! J'adore! Moi je pose le pied, voilà, personne, j'y vais. Ah, magnifique. T'as vu quand je rétrograde? J'adore. J'adore. Ça a abusé. Ça, on dirait des flammes de dragon, mon gars. Parce que moi, j'entends pas un bruit aigu, j'entends des pois, pois, pois. Hop là, un peu de shifter en repartant. Voilà, lui il abuse, cache. Oh, il y a des nids de poules, on va les éviter là. Il y en a beaucoup trop. Est-ce que t'as déjà vu une route plus éclatée que ça? Dis-le-moi en commentaire. Regarde-moi ça. Putain, c'est abusé. Merci. J'avais pas vu, ils m'ont fait des gros pouces les autres. Ah, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Ah, ils sont au kiff. Bon, je t'avoue que pour l'instant... les pétarades. Je roule vraiment tranquille, je fais super gaffe. Parce que cette histoire de suspension, ça m'a bien calmé. C'est magnifique. Avec les petits retours là. Ah, ça fait du bien. À Klingenthal. C'est quoi ce bled? Klingenthal. Klingenthal, Klingenthal. Ah, c'est encore un nom farfelu ça. Faut que j'aille à gauche. Ah, c'est joli. C'est schön. Par contre, les nuages là-haut, c'est moins schön. Ah, c'est magnifique.
magnifique. Putain, faire ses heures de conduite au champ du feu. Incroyable ça. Ah, ça a mangé l'herbe là. Salut. Ah, je vais aller les voir. Tout va bien? Tout va bien? Ouais, ça va. Ah d'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup, hein. Pas de soucis, hein. Hey, ciao. On sait jamais, tu vois, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas, tu vois, donc on sait jamais. Toujours aider son prochain. Ouah, comme il fait froid! Ah, cette sonorité incroyable, je sais pas si tu l'entendras bien, mais une pépite. Une pépite. Allez. Incroyable. Comme dit, hein. Je te mets 2-3 coups de shifter, mais je reste aux limitations. Par contre, il y a beaucoup trop de vent, ça me casse les couilles. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. S'il y était, il nous mangerait. Et là, il n'est pas là, il ne peut pas nous manger. Tu vois ce genre de voiture qui est stationnée? Enfin, qu'importe. Qu'importe le modèle. Dès que je vois une voiture. Tu vois là, je vais que des coups de rétro. Eh, ça m'a traumatisé cette histoire, hein. Dès que je vois une voiture stationnée dans un coin, je me méfie tellement. Putain, ça fait chier ça. C'est comme ça que je m'étais fait avoir. Oh, regardez-moi ça, si c'est pas beau. C'est magnifique et ça s'appelle la liberté. La liberté, longtemps je l'ai cherchée, pendant exactement 6 mois de merde. Ma liberté, je t'ai enfin retrouvée au bord de ma Z900. On est à Haute-Rotte. Haute-Rotte, il y a 4T. 4T dans le nom du village, quoi. C'est indécent. Putain, moi j'entends plus rien, je me rends pas compte. Je me rends pas compte du bruit que ça fait. Voilà, j'espère que ce petit aperçu du shifter, ça t'aura plu. Et tous ces retours de flammes. Sur ce, c'était Seth Biker. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!